Bon, cette fois-ci, on va réparer les bêtises de monsieur Iricles. Désensibilisation à la visseuse. Oh, ça fait du bien les gratte-gratte, hein. Oh, mon tchétché. Alors là, on se retrouve du coup, on est samedi 9 janvier et je suis très contente parce que j'ai reçu au travail mon électrificateur donc, que j'avais commandé sur internet. Donc je suis contente parce que le samedi, je travaille que le matin. Donc là, on va pouvoir y l'installer cet après-midi et tendre les fils de clôture. Donc voilà, c'est parfait, je vais vous montrer tout ça. Alors voilà le gros carton, j'ai mis mon téléphone au-dessus à cause de mon nom, de mon adresse, etc. Mais là je vais pas vous le déballer parce qu'il faut que je l'emmène dans ma voiture, mais je vous le déballerai au pré. Donc là, je viens d'arriver au pré. Oh bah, tchétché, vas-y, maison partout. Comment ça? Tu gaspilles. Et donc oui, je vous disais, moi je viens d'arriver au pré. Mon père ce matin est venu donner la ration du matin au gros. Là, moi je viens de remplir le râtelier à foin. Et ils auront la deuxième ration ce soir. Hein, t'en mets partout, toi? Oui, oui, oui. Et là, du coup, on va aller remplir l'abreuvoir. Sauf que normalement on a un groupe électrogène relié à une pompe qui nous permet de remplir assez facilement avec la rivière à côté. Sauf que forcément, bah, vu qu'il gèle, et bah, faut tout remplir à la main. Donc ça va être drôle, mais on va enchaîner les seaux pour remplir l'abreuvoir qui est là-bas. Alors donc il faut qu'on passe sous cette clôture, qu'on descende tout ça, et je peux vous dire que ça glisse avec l'eau, et qu'on aille prendre avec des seaux l'eau qui est là dans le ruisseau, et qu'on remonte et qu'on amène du coup les seaux à l'abreuvoir avec le soleil, vous n'allez pas trop voir, mais qui est là-bas du coup. J'en ai aussi encore du soleil pour demain, ça devait être peur. Voilà, on vient de finir de remplir celui-là. Donc sachant que dedans c'est une baignoire et qu'elle fait 300 litres. Donc ça fait déjà 30 seaux. Hein. Et puis en plus on a enlevé la glace qu'il y avait dedans. C'est pas du verre, hein, c'est juste la glace. Mais au moins voilà, avec ça ils en ont pour la semaine. Alors donc là on a mis dans un seau tout ce qu'il nous fallait pour finir la clôture. Donc le fil électrique de clôture et on a pris de la ficelle bleue, normalement des bottes de foin et de paille pour mettre en tension de chaque côté les piquets. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça.
Montre-nous ta souplesse. Ouais, je suis tombé dans les épines, moi. Eh ben oui. Bon ben voilà, on vient de finir de tendre tous les fils. Alors ça se voit pas trop à la caméra. Mais du coup, voilà, le premier il est là. Et tout le long on monte jusqu'à 2 mètres de haut. Donc ça commence vraiment tout là-bas au coin. Jusqu'à tout là-bas au coin, loin. Donc vraiment tout ce qui sépare mon pré du pré d'à côté où il y a les juments du coup. Donc là on va aller chercher l'électrificateur, le sortir du carton, prendre la batterie et puis on va électrifier tout ça. Regardez ce que je viens d'enlever à Iricles. Une grosse tique, elle bouge encore. Ah c'est ça, normalement en plein hiver on n'a plus de tique. Hein. Franchement je déteste ces bestioles. Bon bah voilà, massacre de tiques. Vous pouvez lui dire adieu. Vas-y, retire. Alors voilà notre électrificateur. Donc nous c'est le Berger 30 de la marque Chaperon. Donc il y a toujours le petit panneau de clôture, mais ça on en a plusieurs. Et donc nous c'est un double impulsion, donc c'est un des plus forts hein, du coup. Donc là on met la batterie et puis vous avez le couvercle pour protéger. Voilà, on vient de la mettre en place. Donc du coup on a relié le plus au fil et la terre, bah, à la terre forcément. Et donc on a mis grosse impulsion et on va mettre sur on là tout de suite. On remet le couvercle et c'est fini. Et voilà, clôture finie pour les gros. Et voilà, donc c'est la fin de ce vlog. Donc nous on est très contents parce qu'on a pu finir notre clôture. Comme ça on limite les risques d'accident pour les loulous. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse aimer, commenter et vous abonner. Et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.